Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va hyper bien. Et aujourd'hui on va faire 24 heures dans ma chambre sans écran et en bigamie. Donc let's go! Alors ça y est, donc tu fais le 24 heures dans ta chambre, Oui. sans écran, donc sans téléphone, sans tablette, sans console, sans rien, c'est ça? Oui. Donc déjà tu vas me donner ton téléphone. Dépêche-toi. Voilà, je récupère Regardez le téléphone. Je l'ai. Du coup, j'ai débranché la console. Et la télé, elle n'est pas reliée au câble. Donc sans console, elle n'a pas de télé. Donc Voilà, voilà. ma télé, je peux l'allumer, mais sauf que ça sera tout bleu. Voilà. Elle aura juste l'écran bleu. Voilà, pour regarder les comme ça, les dessins animés, l'écran bleu. N'importe quoi. Et du coup, c'est aussi en bigoumi. Oui. Donc là, déjà, tu as un pull bigoumi sur toi. Oui, Il il est est trop beau. trop beau. D'ailleurs, c'est celui de la nouvelle collection. Voilà. Donc on vous remet le lien enfin, de Là, notre je code vais promo. Voilà. moi Juste là. pour avoir moins 20%. Voilà, c'est ça. 20% sur la prochaine commande. Oui. Et qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, tu vas changer plusieurs fois de tenue alors. Oui, par exemple, je vais mettre une combi avec un gilet par-dessus si j'ai trop trop froid. Ou après, je mets qu'un gilet avec un petit pantalon. Ou soit je mets aussi qu'une combi. D'accord, donc ça va être le défilé des vêtements bigoumi. Voilà. Ou soit les chaussons. Les chaussons bigoumi. Ah oui, c'est vrai. Ah là là, du coup, il est 18h. Oui. On commence la vidéo tard parce que Luna a voulu commencer un peu plus tard. Et du coup, tu penses que tu vas tenir jusqu'à demain 18h? Non. Tu vas pas tenir? Non. Ah bah faut essayer de relever le... Défi! Voilà, le défi. Du coup, tu as déjà des petites idées de ce que tu peux faire dans ta Oui. chambre? Je Parce que moi, j'en ai une très bonne pour toi. C'est quoi? Alors, j'ai acheté sur Amazon... En fait, des petites choses pour toi, et j'avais dit que je les garderais du coup pour le jour où tu ferais ton 24 heures, et du coup, voilà. Et donc voilà, c'est ouvert donc. Je te laisse découvrir ce que c'est. Alors, je vais te faire travailler un petit peu. Lily n'aime que les frites. Je vais Alors. chercher mes autres. Ça me fera 4 livres pour ma collection. Donc du coup j'ai pris Lily n'aime que les frites. Ça c'est parce que Luna est accro à tout ce qui est malbouffe. Donc du coup je me suis dit que ce livre-là lui correspondrait totalement. Oui, et maman en fait qu'elle voit des livres comme ça de Max et Lily. J'aime que les livres Max et Lily, les histoires et tout, les bébés. Et en fait, maman en fait elle prend que des livres qui me correspondent. Voilà. Et là j'ai pris Lily un chagrin d'amour. Pour un petit peu plus tard aussi. Ouais, parce que ça, on l'avait pris aujourd'hui, je crois, on l'avait acheté. Oui, on l'a acheté tout à l'heure quand on était aux courses. Donc Il y a voilà. ça aussi, il y a un copain qui me l'a donné. Oui, c'est vrai. Et celui-là. Et celui-là, on l'a eu dans la vidéo des 30 secondes challenge la dernière fois, c'est ça. Oui, et je l'ai toujours pas lu par contre. D'accord. Et du coup, on vous remet le lien de la vidéo dans le petit i. Oui. Donc du coup, bah, les livres, là, ça va te faire de l'occupation déjà pour les 24 heures. Bah, les lire, Voilà, voilà, les ça va livres. t'aider. C'est quoi Je t'ai pris ce livre-là, donc c'est, alors je montre, ça s'appelle Vive le CE2, les secrets de la récré. Alors, je ne Par connaissais contre, c'est pas de du 8 ans. tout, voilà, c'est à partir de 8 ans. Et moi, j'ai 9 ans. Voilà, t'as 9 ans, et je trouvais que ce livre, vu que Luna est en CE2, que ça pouvait être super sympa de lire un livre qui correspond. Il y a beaucoup de lectures. Qui lui correspond, Il y a quoi. combien de Donc, on continuera la collection bah, si ça te Si plaît. j'aime bien. Voilà. Et je t'ai pris du travail. Mieux comprendre la conjugaison. Et oui, l'école, c'est très très important. Mais je sais par cœur lire l'heure, j'ai tout fait lire une journée. Hein? Lire l'heure, je vais le dire Oui, en bah, c'est pour réviser, justement. Du coup, Luna, pendant ses 24 heures, va pouvoir faire des petites révisions. Et mes frères viennent. Et bien sûr, il y a les petits frères qui viennent squatter. Okay. Coucou Maëlle. Et regardez, il y a aussi Coucou, ça. ça va? Qu'est-ce que tu fais, Luna? Je lis le livre, ça.
Ah d'accord, vive le CE2. Et toi aussi tu lis le livre avec ta sœur. Ouais. Ah ben. Bah, vous êtes tranquilles tous les deux là. Bon bah du coup Luna, on se retrouve après. Alors je vais te laisser lire ton livre tranquillement. Et maman, est-ce que tout à l'heure on pourra faire le un jeu de société? Oui, pourquoi pas. Bon, allez, moi je vais m'occuper de ce que j'ai à faire et puis je te laisse lire ton livre tranquillement. Oui, merci. Luna, t'es toujours en train de lire? Oui. Ça fait 2 heures que t'es en train de lire le livre. Je sais pas. T'aimes bien alors? Je rappelle 18-19. D'accord. Bah t'as bien avancé quand même. Donc ça veut dire qu'il est bien le livre. Donc bah je te reprendrai des comme ça alors si t'aimes bien. Je crois qu'il y en a que 3 à collectionner. Ah je sais pas, on regardera. Ouais peut-être. Donc c'est bien de lire au moins, ça change. Peut-être que d'être sur le téléphone ou la Switch ou la télé. Je finis la page 18 et je vais te demander un truc. D'accord. Donc voilà, j'ai fini la page 18 et maman, est-ce qu'on peut ouvrir ça? Oui, vas-y. C'est les nouveaux, donc je crois en fait c'est des sirènes. Et en fait, on va les mettre dans l'eau et ça change de couleur. D'accord. C'est écrit à l'arrière. D'accord, bah vas-y, ouvre. Et donc là, il y a du violet et du bleu et c'est un pack de 2. Et ça, c'est en forme d'œuf. Oui, c'est vrai. Donc Luna, vous voyez, elle est toujours en bigumi. Puis après, je pense qu'à mon avis, elle va mettre sa combi pour faire dodo. La combi shop, j'ai à mon anniversaire, je ne sais pas si elle est en salle. Je crois qu'elle est propre, j'irai te la chercher. D'accord. Parce que moi, je peux pas descendre. Et non, tu es enfermée dans ta chambre. Ouais, avant, on avait pas 24 heures sans écran, mais je pouvais me balader dans toute la maison. Voilà, que là, c'est uniquement dans la chambre. En bigumi et sans écran, sans rien en fait, sans téléphone. Okay. Alors voilà ce qu'on peut trouver dans les œufs. Et Luna disait que voilà, dans cela c'était soit des rares ou des ultra rares. L'œuf violet, c'est un Racing River. Et le bleu là, montre comment qu'il est, c'est un mermal. Donc on va frotter celui-là. Vas-y. Là il y a des paillettes, je sais pas si... C'est trop trop beau, ils sont trop bien faits les œufs. Montre maman. Il faut déjà faire le focus. Voilà, ouais, il y a plein de paillettes. Ouais, donc on va frotter. Ah, ouais. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir dedans? Oh, c'est trop chou ça là. C'est, je sais pas en fait. C'est une sirène. Une sirène, alors montre-moi comment qu'il est. Ah oui, donc il va changer de couleur. Et du coup, alors, ça fait un c'est commun. C'est un commun. Et celui-là, c'est Meur Kangourous. Et le violet. Oh, ultra rare. Oui, c'est un ultra rare. Tu as vraiment de la chance. Celui-ci, et c'est un ultra rare. Ah. Voilà, et le violet ultra. Et voilà, trop chou. Et du coup, je peux aller dormir parce que j'ai un dormir, il faut être en forme. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Donc là, t'es fatiguée, tu vas te coucher. Ouais, il est déjà quand même 23h, donc le temps passe super vite. Bah, les mêmes sont déjà en train de dormir. Ah bah oui, ils dorment demain, depuis longtemps. J'ai encore plein d'activités à te faire avec moi. Ça marche. J'ai la société, j'en ai deux. T'as tes cahiers de devoirs aussi oui, à faire. Cahiers de devoirs. J'ai encore un truc à majuscule. J'ai des trucs encore plein. Plein de choses. Ouais. Bon bah du coup, tu te changes, tu te mets en pyjama. Ça y est, t'es en pyjama. Oui. Bon bah du coup, je te dis bonne nuit. Et puis bah bonne lecture. Hein. Merci. Bah oui. Et demain. On a plein de choses à faire. T'es contente? Oui. Ouais. Hein. Bon allez, bonne nuit. Bonne à nuit. Demain. À demain. Coucou tout le monde, je viens juste de me réveiller. Donc j'ai fait la classe mat. Et on a mal avec moi. Ouais, il est déjà 10h30. Oui, encore fatigué Maëlle? Ouais, encore fatigué mon petit cœur. C'est dur, hein? Non, c'est vrai.
Ouais, et puis c'est pas beau aujourd'hui. Donc je pense qu'on va faire une journée de société. Oui, et puis surtout les devoirs. On va faire les devoirs parce que demain c'est l'école. Et oui. Du coup, moi je vais aller m'occuper de tes petits frères. Et puis je te laisse t'occuper comme tu veux. D'accord. Tu sais déjà un petit peu ce que tu vas faire? Oui, pour la journée. J'attends que ça soit fini. Je vais faire des jeux de société. Je vais faire le cahier d'heures et tout. Et je pense que je vais lire. Ça marche. Bon, allez, moi je vais m'occuper des petits. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bah alors, Luna, t'es toujours en train de lire. Mais t'aimes trop ce livre en fait. Ouais. Bon, par contre, tu vas stopper un petit peu le livre. Et tu vas ranger le linge que je t'ai ramené. Ça va t'occuper, ok? Et puis, j'aimerais bien que tu fasses un petit peu d'exercice. L'heure. Ou l'heure, si tu veux. Bon, bah vas-y, t'es prête? Oui, j'en suis à la page 21 de ce livre. Ça marche. Alors là, je t'ai mis ton linge à ranger. Il va falloir ranger tout ce bazar quand même. La chambre est un petit peu trop en bazar. Donc là, j'ai sorti mon livre pour lire l'art. Voilà, moi je me suis pris les corrigés. Oui. Et comme ça, Luna ne peut pas tricher. On va prendre la première page. Alors, première étape. Souligne les numéros des outils qui se rapportent à la mesure du temps. Donc, je vais prendre le souligneur. Donc, mesure du temps. Le premier, c'est quoi? C'est le réveil. Donc, alors, c'est quoi? Oui. Il mesure le temps. Une montre, oui. Ouais. A few moments later. J'ai fini le cahier là, donc je vais vous montrer. Donc voilà. Et ouais, et Luna a bien travaillé sur celui-là. Donc du coup, on le garde pour demain. On fera une autre page demain. Oui, ce sera là. Et puis tu peux attaquer le cahier de conjugaison. J'aime pas le conjugaison. Ouais, je sais que t'aimes pas, c'est pour ça que je te l'ai acheté. Ça va t'aider, ça va t'entraîner, ça va te faire du bien. Demande. Bon, voilà ce qu'elle doit faire un petit peu. Si je comprends rien. Et faut lire justement et essayer de comprendre. Il se lave, il se lavait. Voilà, c'est ça. Mais déjà, il faut déjà commencer par observer la règle. Oui, donc on se retrouve dès que j'ai fini ce livre. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Et donc voilà, je viens de finir et j'ai eu tout au bout. J'ai qu'un petit carré. Luna a eu une bonne note. Et l'autre, c'était 18 sur 20 parce que j'avais deux fois. C'est vrai. D'ailleurs, on va vous montrer celui précédent. Voilà. Elle s'est trompée deux fois et elle a eu du coup 18 sur 20. Voilà. C'est pas grave. Au moins, c'est deux points retirés. C'est pas grave, c'est pas tout. J'ai pas eu 0 sur 20. Du coup, qu'est-ce que tu penses des cahiers que je t'ai achetés? C'est trop bien. Je veux toute la collection. Du coup, je testerai d'autres collections. Et s'il y a des parents qui regardent la vidéo, c'est sur Amazon que j'ai acheté ça. Et c'est les mini chouettes. Donc, c'est des petits livres de la collection Hatier. Et la prochaine fois, je testerai, je pense, une autre marque, une autre gamme. Non, tu prends encore ça. Ah là, il y avait que ces deux-là dans cette gamme-là. Donc, au pire, je prendrai un cahier où il y a tout. De l'histoire, des maths, de l'éducation civique. Spécial de maths et de histoire. Parce que je fais l'histoire avec le maître. D'accord. Bon je vais voir ce que je vais trouver et puis si ça peut t'aider être encore mieux travaillé, oui, c'est cool. La conjugaison, j'ai un peu eu de mal à comprendre, mais après ça va passer tout. C'est vrai que là, ça a été super vite parce qu'elle a très très bien compris et bien assimilé les choses. Et maintenant, j'ai envie de faire un jeu de société vu que j'ai bien travaillé. Bon allez, on va faire un petit jeu de société. Ouais, j'ai mis une veste Big Gummy Shop, comme ma combi. Donc, suspense, maman choisit. Ouais. Et donc c'est toujours le 24h dans la chambre, en bigumi et sans écran. Oui. Alors on l'avait eu dans une vidéo, donc je vous remets le lien dans le petit i. Donc on a mis en place le jeu, donc les cartes et le sablier.
comme ceci. Donc il y a beaucoup de cartes comme vous avez pu voir. Voilà, et j'ai tout mélangé. Voilà. Donc je vais vous expliquer les règles du jeu. Donc maman et moi, on va piocher une carte, chacun à son tour. Et je vais devoir poser des questions à maman qui est sur la carte où maman va me poser des questions. Et on va déjà mettre le minuteur en route. Et après, dès que le minuteur est en route, ben, le sablier, et ben en fait, on peut commencer à mettre les questions. Donc il y en a 10 par carte. Et si maman ou moi, je n'ai pas. On n'a pas posé toutes les questions, quoi. On n'a pas réussi à toutes les questions. On passe à une suivante, c'est ça? Voilà. Alors. Le mot top signifie quoi à l'envers? Je ne sais pas. Cela donne peau, n'est-ce pas? Je pense. Ok, maintenant un peu plus difficile, bien. Hein? Si tu retournes le monnaie. Ça, je sais pas ce que ça va faire. Qu'est-ce que l'on obtient? Je ne sais pas. Zen? Peut-être. Sais-tu aussi ce qui sort si tu inverses ton propre nom? Je ne sais pas. Qu'est-ce que ça sera alors? Une halle. Tu es sûr? Je suis sûr. Ça n'a pas l'air sympa. Sablier coulé. J'étais à combien? T'étais à la 10. Bon, ça va, on se débrouille pas mal. Ouais, donc on a remis en dessous. Et donc, je repioche une carte classique. Du coup, nous, on va continuer de jouer et puis on se retrouve tout à l'heure. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Bon, alors, Luna, cette partie de Ni oui, ni non. Trop bien. Et c'est moi qui ai gagné. Et oui, Luna a gagné parce que je ne suis pas assez réceptive, surtout quand je suis malade. Elle a eu cette carte et moi, j'en ai eu ces trois. Voilà. Bon bah on retestera un peu plus tard. L'autre jeu, le missionnaire. Ouais, bah là je vais aller m'occuper un petit peu des petits frères. Et puis bah je te laisse lire un livre tranquillement ou je sais pas. Ou jouer comme tu veux. Ou dormir. Tu t'ennuies sans écran? C'est dur. En plus t'as pas ton téléphone donc tu peux pas faire de TikTok. Et en plus, c'est la semaine et j'ai pas pu regarder la télé hier soir. C'est vrai. Et en plus de ça, tu peux pas jouer à la Switch. C'est bête, hein. Pourquoi pas à l'auto? À l'auto. Ça veut dire que j'ai le droit une seule fois de regarder un truc. Ah non, 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 non. Hors de question, petite tricheuse. Non. Ça va, Luna? Oui. T'es encore en train de lire le livre? Oui. Eh ben, il te plaît vraiment ce livre? Donc je voulais te dire que le challenge était terminé. Donc tu vas pouvoir récupérer ta console, ton téléphone et puis remettre la télé. Ouais. Bon alors, ce challenge, ça a été quand même. Ouais. Ça t'a fait du bien, t'as pu faire un petit peu de lecture, un petit peu de travail, t'en as profité pour faire tes devoirs aussi. Ouais. J'ai juste de les faire. Voilà, tu as juste de les terminer, juste avant de lire ton livre, c'est ça? Eh ben. Déjà j'ai lu un livre de la bibliothèque. Ah oui. Il était bien. Du coup tu rallumes pas les écrans tout de suite? Non. Tu lis ton livre? C'est bien. Bon bah si tu veux continuer le challenge. Je commence jusqu'à ce que je suis vieille. N'importe quoi. Bon bah du coup pour moi c'est bon. Bah je vais te laisser récupérer ton téléphone quand t'auras envie de le récupérer. Je vais le récupérer. Bah j'irai te le chercher parce qu'il est en bas. D'accord. Et puis voilà. D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires si vous avez aimé le challenge. Et puis, si vous voulez qu'on vous refasse des autres 24 heures. Par exemple, 24 heures dans la chambre de tes frères. Oui, dans la tente. Bah non, dans la chambre, c'est déjà bien. Dans la tente, tu veux? Il faut que je la remette et tout, alors. Ouais, dans ma chambre. Ok, on verra pour la prochaine fois. Faudra faire bien. Plein de place comme ça dans ma chambre, il faudrait regarder la télé. Oui, pourquoi pas. Bah dites-nous ce que vous en pensez en commentaire et puis si vous avez envie que Luna fasse certains 24 heures et qu'elle est d'accord, bah pourquoi pas. Par exemple, proposer des 24 heures manger quoi?
Ah oui, des 24 heures, je mange telle couleur ou des choses comme ça. Multicolore. Ouais, ça pourrait être sympa. Et donc, la mère est terminée, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, des commentaires et si la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Bisous, bisous pour votre prochaine aventure. Bonne nuit. Ciao tout le monde. Ciao, ciao.